Oh, ben oui, de nouveau un petit haut l'action. Et j'en veux beaucoup à Dylan. Dylan, sache-le. Pour un achat, tu verras lequel. Bon, on va d'abord commencer par, j'ai trouvé des petites enveloppes papier de bulle, puisque pour l'instant, je ne trouve pas. J'en ai pris deux paquets. J'ai cherché des cartes. Je n'en ai pas trouvé en blanc, mais j'en ai trouvé deux couleurs. Je trouve ça sympa. Voilà, il y a. J'espère que vous les voyez bien. Des bleus. Un peu plus foncé. Et les enveloppes qui vont avec. Donc en bleu. En rouge, rose. En jaune. Alors, il y a du jaune, de l'orange, du bleu et du vert. Je me suis dit que ça peut être sympa. Et puis ça donne le ton pour. Parfois, on n'a pas d'idée. Et en prenant une couleur, ça peut donner le ton. Bon, je vais les laisser hors de ça. Ça, c'est pour les cartes. C'était 89 cents, je pense. Ben, je ne me souviens plus très bien à tous les prix. Hein. Alors, je me suis pris quand même un cadre pour mettre le coloriage dont je vous parlais. Et celui-là, il fait 30 sur 40. Donc, ça devrait aller. Voilà. Alors, on commence. Ah, si, j'ai un ticket. Je ne sais pas si c'est le bon. Les cartes étaient 59 cents, oui. Et le cadre, 2,79 €. Et les enveloppes matelassées, c'est 89 cents pièce. Je crois que c'est l'autre ticket que j'ai pas. Parce que j'ai payé en deux fois et l'autre ticket, je ne l'ai pas. Ouais, ça c'est un autre ticket. Ça n'a rien à voir. Alors. Et ça, c'est. Voilà, ça c'est deux autres choses. Donc j'ai action. J'ai vu sur la vidéo d'une copinette les petites boîtes de paillettes. Donc il y a 12 boîtes et c'était 99 cents ou 89 cents. C'était franchement pas grand-chose. Et ce qui est génial, c'est que c'est en petites boîtes, bien séparées. Donc, vous avez dans les. Je vais vous ouvrir une. Vous avez probablement vu ça déjà dans les hauts, mais pour celles qui n'ont pas vu, est-ce que. Bon, je vais prendre celui-là. Les tout petits, pour l'instant, j'y arrive. Ah, ils se sont calés. Donc voilà ce que ça donne. On en a 12. Et je trouve ça pratique et encore plus pratique que ces gros godets où vous en avez plusieurs, ceux en rond, parce que pour les remettre dedans, c'est quand même plus facile. Voilà, et il y a des superbes couleurs. Du coup, ben, j'en ai 48. Dans les tons jaunes, dans les tons plus rouges, orangés. Et là, il y a vraiment de tout. Un orange magnifique, des verts, bleu, rose, mauve, rouge. Donc voilà, ça c'est pour les glitters. Alors, ça c'est pas action, ça c'est pas action. Alors, chez Action, j'ai pris, je pensais l'avoir déjà pris, mais je ne le trouve plus. Ça, c'est pour faire les attestampes. Je n'avais pas encore commencé les attestampes, mais je trouve ça sympa pour faire mes attestampes. Et j'en ai déjà beaucoup de fleurs, mais honnêtement, elles sont juste magnifiques. Elles sont grandes
Et à coloriser, ça doit être super à faire sur une carte, sur un ATC ou n'importe. Alors, là où j'en veux à Dylan. Et à color Nella. Je me trouve toujours entre color Nella et color Fila. Je vais regarder si j'avais noté color Nella. C'est color Fila. Non? Non, c'est color Nella. C'est color Nella, c'est bien elle. C'est bien à elle que j'en veux, parce qu'il ne faut pas que je me trompe de fil. Voilà. Je me suis laissée avoir. Bon. Comme je ne sais pas du tout si ça va m'intéresser ou pas, j'ai pris les petites cartes. Hein. Donc ici, on a le petit cochon, le petit chien, le petit oiseau. Là, on a la rose, le papillon et marqué Hello. Donc c'est une partie de la carte qui est en diamond painting, pas l'ensemble. Et là, on a le toucan, le lion et le perroquet. Et peut-être bien le flamant rose. Ah oui, mais c'est à quatre cartes. Ah oui, celle qui est mise dans l'enveloppe est en plus. Donc voilà, celle qui est mise dans l'enveloppe est en plus. Donc voilà, je vous déteste, c'est officiel. Vous m'avez obligé à craquer. Alors, et ça c'est la dernière chose chez Action. J'ai pris les notebooks avec 50 pages à colorier. Donc comme ça, je vais pouvoir associer les deux. Donc vous avez, je sais pas si y a une page de garde, non. Vous avez pour écrire, pour colorier, et chaque page a son coloriage. Alors qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Parce que je ne vais pas noter des choses. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Eh bien, par exemple, ici, je vais mettre les ATC, les AT stamps que j'ai reçus de Nanny Scrap. Alors, je vais noter, bien entendu, Nanny Scrap, quand est-ce qu'elle me les a offerts, et le titre de l'AT stamp. Et je vais les coller, et ainsi de suite. Si, par exemple, c'est des caps, je mettrai la série de 5, je noterai de qui c'est, etc. Et je pourrai colorier à chaque fois mes pages. Donc, j'en ai pris un comme ça. Enfin, c'était les deux qu'il y avait. Il n'y en avait pas d'autres. Il y en a probablement d'autres, mais dans mon action, il n'y en avait pas d'autres. Donc ici, voilà, c'est plutôt des animaux, plutôt style mandala. Et l'autre, c'est plus les fleurs. Et j'ai envie de mettre. Bon, il va. À un moment donné, je ne pourrai plus mettre l'élastique. J'ai envie d'y mettre aussi les. Comment on dit ça? Allez, les filles. Les ATC. Les ATC que j'ai. Qui sont dans une boîte, mais que je trouve. J'ai envie de les coller, marquer à chaque fois le nom de la personne. Et voilà, utiliser ce notebook. Tout ça, c'est pour Action. Voilà, alors je suis allée. Je regarde lequel c'est. Voilà. Je suis allée prendre un petit pilulier où je pourrais mettre les petits diamants. Donc ça, c'était chez Extra et c'est 1,99 €. Et chez Ava, parce que j'ai galéré comme une folle hier, un truc que j'ai pas besoin de vous montrer, et ça. J'ai trouvé des ciseaux crantelés, donc pour faire l'effet timbre, pour faire les attestampes, puisque j'avais encore jamais fait d'attestampes. Et qu'hier, je les ai fait avec ceux de Kathleen. Et bonjour les dégâts. Donc je vais pouvoir en faire avec ça. Je suis trop contente. Et ça, c'est de Fiskars. Donc c'est une bonne marque. Et ça, je l'ai fait payer donc chez Ava 3,99 €. Donc ça va. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. C'est déjà pas mal, hein. Je vais aller tout mettre de côté.
Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.